de nos lèvres, nous bénissons notre Père. De nos lèvres, nous maudissons nos frères. Et l'homme s'élève de ses propres lèvres. Faisons attention de la manière que l'on parle, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui souille du nord, prenons garde à ne pas en faire un jeu. La calomnie touche n'importe qui et enflamme le cours de notre vie. Les sous-entendus mal intentionnés, les mots que l'on ne peut se mentionner, et ceux qui parlent du Seigneur avec la ruse dans le cœur. Faisons attention de la manière que l'on parle, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui souille tout notre corps, ce sont les mots qui en sortent, car c'est de l'abondance du cœur.